Essaye de voir s'il n'y a pas des téléphones qui peuvent traîner. S'il y a des téléphones qui peuvent traîner. Ok, d'accord. Alors là, c'est bon à savoir, la caméra elle bug à travers le mur. Oh purée, 5 chargements ici. Ah, il y a un coffre ici. Il y a un coffre ici. Je suis full. Peut-être de quoi porter un téléphone s'il y en a un qui traîne. Oh, un iPad. Je vérifie le temps, hein. Vous en faites pas, j'ai l'œil sur le temps. Je sais que voilà. Hein. Qu'il me reste plus énormément de temps, faut que je me casse. Faut que je regarde juste ce tiroir. J'ai bien fait. Et je me casse. Non, alors. Oui, c'est par là. Par là que je suis rentré. Ah! Je suis safe. Enfin, je suis safe. Pas tout à fait. Maintenant, faut que je me casse avant que les mecs rentrent et sonne l'alarme. Rank S, mon gars. Rank S. Bon, et puis bah on va s'arrêter là. Je pensais pas qu'on ferait le cambriolage maintenant. Mais ça s'est méga bien passé. You're doing all right, you know that? For the next job, go skill up on electronics for me. Ok, donc le job 2 en électronique. On peut le faire, mais voilà. Et écoutez, sur ce, je pense que c'est pas mal. On va juste aller voir le butin et on va se quitter là-dessus. On va aller, non. En fait, on va d'abord aller voir s'il y a des choses. C'est le Black Bay. Allez, le casque avec micro, hein, depuis le temps qu'il nous fait de l'œil. Il y a un clavier. Ok, clavier, on sait où on peut en avoir. Et ici, il n'y a rien. Hop, on va aller rapidement. La boutique de prêteur sur gage. Et lui, de cas, il fait son beurre. Hein. Welcome back. Ouais, bah dans l'ensemble. Ah, d'accord, ok. Il y a un téléphone verrouillé par contre. Ouais, ok. Le téléphone et les tablettes sont verrouillés. Pour le moment, je vais les stocker. On les déverrouillera à l'épisode suivant. On a 6000. Bah écoutez, sur ce, j'ai encore un tout petit peu de temps à vous accorder. Je vais juste, on va juste déverrouiller rapidement les téléphones.
ça comme ça, comme ça. Faut que je remonte. Ouais, ok. Hop. Ouais, évidemment. Donc non. Non plus. Je remonte comme ça. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite. C'est un peu simple ça. Voilà, hein. C'est relativement simple aussi. Bah voilà. Écoutez, pas mal ça. En 2 minutes. On a fait 3 appareils en 2 minutes. Ça, ça s'appelle de la sécurité informatique, ça. Welcome back. 8900, on est... On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Et le pire, c'est que l'électronique niveau 2, je peux déjà la prendre. Donc je peux déjà la prendre. On va juste voir ce que nous dit Vinny, alors. Mais je suis sûr qu'il va nous demander de hacker. On va partir sur le hacking, et donc il nous faut les 14 000, et puis tout le toin toin. Ah non, faut que je sois niveau 20. Faut que je sois niveau 20. Eh ben, wesh. Bon, eh ben, on a du boulot. De la nouvelle... Il nous reste... Ouais, il nous reste aussi les... Voilà, deux, trois maisons... Enfin, voilà, il nous reste aussi la maison des Williams à faire à Greenview. Donc, on finira Greenview à l'épisode suivant. Et puis, ben, sur... Et nous nous retrouvons devant le pawn shop. Alors, quand on recharge le jeu, on réapparaît ici. Je sais pas pourquoi, systématiquement. Ce qui est un petit peu dommage. Mais par contre, ça m'a permis de découvrir un petit truc. Alors, attends, je me replace bien. Et... Oh, ça, ça fait envie. Regardez-moi ce camtar. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi cette place. Oh... Le camion Bank Bros, mon frère. Bon. C'est ça, c'est totalement ça. Mais non, il est génial, ce camtar. Par contre, voilà le prix, quoi. 35 000. Bon. Ce qui, en vrai, est raisonnable pour un camion, hein. En vrai, un camion comme ça, à 35 000. Ouais, faut voir. C'est quand même un peu cher. Mais bon, bah voilà. Donc, ce sera un objectif, hein, d'avoir ce camion pour nos larcins. Mais en attendant, on va garder la vieille voiture pourrie. Je sais pas ce que c'est comme modèle, si c'est inspiré de... Zut, excusez-moi, l'alarme. Voilà, de... Je sais pas de quoi c'est basé. Noble car. J'ai jamais fait attention, en fait, à... Si quelqu'un sait sur quel modèle cette voiture a été modélisée, voilà, mettez-le en commentaire. Ça peut toujours être sympa. Donc, épisode... on est au cours de l'épisode 9, si je dis pas de bêtises. Donc, finalement, oui, on est à la suite. Hein, pourquoi j'ai été là-bas, moi? C'est pas là-bas que je vais aller. Enfin bref, voilà, donc on va faire un petit cambriolage avant d'apprendre l'électronique niveau 2. On va faire la suite de l'histoire après. Le seul truc, c'est que je sais qu'il me faut de toute façon 14 000. On avait, je crois, la maison 103. On avait des choses à faire dans la maison 103. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut,
C'est cela. Nous avons donc du boulot. Et j'avais pas pris par contre les informations de butin. J'avais pas pris les informations de butin pour les trois plus gros pour les trois plus grosses maisons. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va juste se concentrer là parce qu'on a quand même 800 $ à se faire en. Voilà, en. En info. Donc casser un évier et une lampe. Et ben on est parti. Donc la maison 103. Que voici. Il me semble qu'on peut se garer. Si on se gare là, je crois qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est une lampe et un évier à casser, donc en soi. Plus dérangeant que ça. Non, ah, je risque de gêner un petit peu. Je vais juste me ravancer un tout petit peu. Là, mais de toute façon, il va peut-être falloir que je bouge. Alors, les habitudes. Je ne sais plus trop comment on rentre dans cette maison. Si c'est là. Tac, tac, tac. Le mieux, ça semble être 23 h parce que après, monsieur n'est que dans le salon. Salon, cuisine. Après, il sort. En soi, faut se focus sur le troisième là, parce qu'il sort à 23 h et il rentre à 5 h. Donc quand on va crocheter la serrure, en fait, on peut crocheter la serrure à 23 h quand il part. Et puis bah quand il revient, c'est là qu'il détectera que la serrure a été forcée. Donc, on va aller sur le parking jusqu'à 23 h. Enfin, jusqu'à 22 et on va attendre 23. Ouais, en vrai, je risque pas vraiment de gêner, mais bon. Alors, on va attendre que ça sorte. C'est ce mec-là qui est aux toilettes qui va. Ok, ça c'est un crochetage niveau 1. Faut pas que je me fasse pincer. Allez, encore 20 secondes à attendre. Eh ben. Monsieur est constipé. La 103, je suis con, mais j'ai pas la clé de la 103. Je sais jamais les clés que j'ai. Non, c'est la 102. Chaque fois, c'est un numéro plein. Donc c'est bon, hein, il est parti.
Ah oui, non, oui, c'est cette maison-là. D'accord. Excusez-moi. Ben non, c'est pas celle que je pensais. C'est ça, excusez-moi, si. Excusez-moi, c'est moi qui suis. Bon, ok. J'ai fait nimp, je vais changer directement. J'ai fait n'importe quoi. Ok, faut monter après. Mais faut que je fasse attention au passant. Qu'est-ce que. Quoi? Alors, excusez-moi, le jeu a crashé pour une raison que j'ignore. Je reviens. Ok, donc, hop, je reprends peut-être la fenêtre de jeu, ce sera mieux. Donc, alors, l'avantage, c'est que quand j'ai rechargé le jeu, je suis réapparu directement ici, je suis pas réapparu au pawn shop. Donc, voilà, on va attendre que ça se fasse. Donc, il faut que je. Attendez, parce qu'il n'y a pas une stratégie. Je peux accéder. Non, je peux accéder à rien pour là. Faut que je passe par le préau, obligatoirement. Mais je suis un poil. Un poil exposé en fait. Facile. Ah mais merde, je peux pas courir. Je les fasse vite, j'ai un passant qui arrive. Ok. Ok, donc déjà j'ai la lampe. Ok. Alors le problème c'est là. Alors je peux voler 2-3 trucs. La musique est sympa. Faut que je vérifie juste que je descende doucement. Alors, c'est vu la silhouette, ça a l'air d'être une femme. Faut que je regarde ses habitudes. Faut que je vois si elle va pas monter. Rapidement prendre 2-3 trucs. De toute façon, c'est quoi? C'est l'évier, hein? C'est l'évier à casser. Donc, en attendant, je peux piller sans vraiment de problème. 3 charges. 3 charges. Il n'y a pas un. Y a rien à voler quoi, c'est. Ah! Non. Parce que c'était un téléphone, c'est pas le cas. Imprimante ici, les casiers à mon avis c'est même pas la peine. Je vais regarder ses habitudes.
Elle va aux toilettes à 3 heures du mat. Ça me laisse 2 minutes pour ressortir après avoir cassé l'évier. En attendant pillage. J'essaie de prendre des trucs qui sont pas trop lourds, genre, puis qui peuvent rapporter, type téléphone, ce genre. Pas très prudent. Et les toilettes. Faut que je me manie. Non, elle est toujours au salon. Je vais passer par là. Ouais, ok. Je vais checker rapidement ce qu'il y a ici. D'abord, il y a des... Oh bah j'ai bien fait de descendre. J'ai bien fait de descendre. Il est où l'évier? Ah d'accord, ok, c'est là-bas. Je vais repartir. Est-ce que je peux... pensais que je peux quand même voir ça. Ouais, c'était bon. Je me casse. J'ai fait mes deux missions. Bah 800 $ en plus, plus un petit peu de jackpot. Et bah pour commencer cette session de tournage, dans l'ensemble ça va. Bon, il y a juste eu voilà une détection au début qui a poussé à un crash, mais sinon tout se passe bien. On va regarder rapidement parce que j'ai plus en tête ce qu'il y a au... sur Black Bay. Rank S. Et je suis niveau 20. Donc ce qui fait que je peux apprendre l'électronique niveau 2. C'est ça qui me manquait aussi. Alors, Black Bay. Oui, il y avait un clavier aussi. Clavier, on sait où on peut choper ça. Mais en soi, c'est pas vraiment. On avait plein de missions aussi à faire à Cambriole for You. Bon, Greenview, c'est bon, c'est fini. On a fait toutes les quêtes. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire,
Voilà, parce que pour les. Voilà, pour 101, 102, 103, j'ai pas acheté les emplacements de butin. Ça s'élève à combien ça? 500, 6, non, 500, 700, 820. Ça fait cher 820, hein. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter pour savoir où est-ce qu'il y a un butin qui vaut vraiment le coup? Je sais pas. Honnêtement, on va plutôt passer sur la nouvelle rue. Et il me manque un point de compétence pour avoir le dernier truc qui est vol de voiture 2. Permet d'enlever l'alarme d'une voiture. Donc ça, c'est nécessaire si on veut voler la voiture qu'il y avait au numéro 101. Mais voilà quoi. Là, on peut pas. Ah, j'escalade niveau 3. On verra, parce que je pense que voler la voiture sera plus important. Pour le moment, voler des objets, ouais, voler des gros objets, on verra. Désactiver à un petit chez toi. Ouais, mais j'ai pas le. Ah oui, il y a ce système-là. D'accord. Ok. Alors, attendez. We need you to plant a camera. Go to 206 and stick it in the living room. Don't ask. Comme d'habitude, quoi. Je pose genre une question. Ok, en fait, c'est simple. J'ai à chaque fois trois fils qui relient la batterie. La question, c'est est-ce que j'ai un ordre? Visiblement, non. Et si je coupe un fil qu'il faut pas, je me fais peau nette quoi. Mais en soi c'est simple, hein. Alors. Ouais, voilà. Bon. Faut. Voilà, par exemple, ça c'est un piège. Ça c'est le bon rouge. Non, c'est ça. Ok. Alors, ça peut être un peu chiant au niveau du méli-mélo de comment de câble. Mais en soi, c'est pas insurmontable. Donc, et ben, résultat 206. Et donc, j'ai pas besoin des 14 000 pour acheter le matériel de hack. Dis-moi pas tout de suite. On va acheter aussi l'émission. Enfin, on va prendre aussi l'émission. Qui valent cher en plus. Alors il y aura aussi au 206 le tableau de la licorne à se faire. Que je casserai certainement. Hein. Si c'est un gros tableau, je vais pas m'emmerder à le trimballer. Donc je dois poser une caméra dans le salon et détruire le tableau licorne. Juste avant, on va passer au pawn shop pour vider l'inventaire. Welcome back. Ouais, la manette est toujours. Oh, ah, le bracelet, j'ai oublié de le démonter. J'ai oublié de démonter le bracelet. Tant pis, on va attendre un petit peu. De toute façon, pour le moment, j'ai pas énormément besoin d'argent. C'est pas urgent le truc. La micro-caméra, j'en ai pas besoin. Les jumelles, je m'en servirai peut-être.
L'outil de hacking, en vrai, je ne pouvais pas m'en servir. On va le garder quand même. Donc j'ai 2 kilos sur moi, puis je peux porter 28 kilos supplémentaires, de toute façon. Je regarde, hein, est-ce que... Ouais, allez, hop. J'ai besoin de mon pied de biche pour détruire le tableau. Direction la maison 206. Je sais pas si on a les habitudes, j'ai pas regardé si on avait les habitudes, ni rien. Ouais, c'était ça, c'était à 204 qu'on avait fait le dernier coup. Ah ok, c'est ça le... Je voyais l'arc de cercle sur la route, là, je voyais pas ce que c'est. En fait, c'est à l'intérieur. Ok. Alors... Non, je vais essayer la voiture, la micro-caméra, bien sûr. Donc ça, c'est en attente. J'ai... Voilà, la première caméra. Je vais voir s'il n'y en a pas une seconde. Il y en a une seconde ici. Analysons un petit peu tout cela. Donc déjà, visiblement, faut que je passe par là. Apparemment, le jardin, faut que je contourne par ici. Ok, faut juste que je contourne les deux caméras. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y en aurait une? Est-ce qu'il y en aurait une à la maison? Vous savez qui est sur le toit, enfin qui est accroché au toit ou quelque chose dans le genre. Je fais le tour de la propriété, hein, je... que je vois pas un habitant. En tout cas, là, je vois personne pour le moment. Je sais qu'ils sont deux. Ok, et ça se crochete à l'automatique. On va aller sur le parking, on va attendre jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h. Parce que je l'ai posé à 8h la caméra. Percuter
y arriver. Bon, très bien. Alors après, la maison est grande, hein, donc ils sont susceptibles de, voilà, en fait, de se balader. Mais ça devient de plus en plus chaud, hein, j'avoue. Alors, la 206. Donc ça, ce sont mes deux missions. Je vais pas regarder s'il y avait du butin, mais voilà. Donc ce sont mes deux boulots. Et je voulais, oui, je voulais les infos. Alors. Ça sent la difficulté, cette histoire. Donc, cette personne-là est dehors de 23 à 4 h du matin. Cette personne-là de 13 à 15 h. Alors, qu'est-ce que cette personne-là fait de 23 h? Elle est dans le salon à 23 h. Salon, salon. Elle va dans la chambre à 2 h du matin. Donc à 4 h. Donc quand l'hôtel rentre, elle est dans la chambre. Elle se lève à 5 h. C'est quoi la meilleure 23 h, hein. 23 h et on essaye de s'occuper le tout. Non, parce que j'ai besoin du salon. Alors, j'ai besoin du salon, mais à 2 h du matin, elle est dans la chambre. Et mon truc, c'est quoi? C'est le tableau de la licorne. Mais 2000, le tableau de la licorne à détruire. Eh ben. Pour moi, je pense le mieux, c'est d'arriver à 1 h. Crocheter, rentrer. Même plus tôt que ça. Hein. Et tant pis, on attend 2 minutes. Hein. Enfin, de toute façon, faut au moins 2 minutes pour. Ou alors, je rentre directement à 23 h. Et puis, salon. Salon, salon. Je fais attention. Je vais essayer de l'éviter au moment où elle passe du salon à la chambre. Et dans la chambre, je sais que j'ai 2, 3 minutes. Ouais, 2 minutes. Pour casser le tableau et mettre la caméra, tout le temps j'ai le temps de. De toute façon, voilà, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. J'arrive à 23 h et de toute façon, je vais faire du repérage dans la maison. Ça va se passer comme ça chez McDonald's. Parce que je vois un piéton, mais ok. Donc, ouais, je veux dire 23 h parce que voilà, on n'est pas pressé. Après, l'avantage pour sortir, en fait, j'ai même pas besoin de ma voiture en vrai. Je vais la mettre ailleurs, enfin, je vais la mettre à côté histoire d'eux, mais en vrai, parce que je suis vraiment en limite de carte, donc si j'ai envie de me barrer, je me barre à pied, quoi.
Donc la personne est seule. J'ai personne aux alentours. Crochetage. Celle-là est fixe. Ok. Ensuite, dans la maison, comment je peux rentrer? Je peux courir un petit peu, elle ne m'entendra pas. J'espère que les volets s'ouvrent. Ah, bien sûr, les volets sont fermés. J'ai été pris par la caméra. Ok, et il est armé. Donc ça, c'est à savoir. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est un échec, mais au moins on découvre. On découvre, on découvre. On découvre. M'en douter. Donc le seul moyen c'est ça, ou alors il y a un escalier, une... où ça? Oh purée, celle-là. Bon, donc au deux cas c'est officiel, il me faut le PDR. Salut. Il me faut le PDA de hacker pour pouvoir rentrer dans la... Parce que je pense que c'est quand même le meilleur truc. C'est la meilleure solution, donc il faut que je gagne encore 4000. Pour gagner 4000, je propose, c'est qu'on... Je sais pas. Il y avait la maison 204. On avait les infos de la maison 204. Je propose qu'on fasse ça. Il y a une pendule dans le couloir à casser. Et on gagne 1500. Donc moi, je propose qu'on fasse ça, la 204. En plus, voilà. On arrive à 11h, on frappe à midi. Et on a 4 minutes en gros, tranquille. La 204, elle est relativement simple. Donc on va... Enfin, relativement simple. Elle est adaptée à notre niveau. Après, il nous faut le PDA de hacker. Alors, l'avantage aussi... Voilà, alors... Je suis juste à côté, on va mettre directement midi. Voilà, il n'y a plus personne. J'ai crocheté sans regarder les passants, par contre. Ça aurait pu très mal se passer. Donc, objectif, voilà. Là, ici, je sais que je peux aller vite en plus. Y a une pendule, hein, la pendule. Et puis là, bah, on va payer un petit peu. Faut que je me concentre sur ce qui me rapporte de l'XP. Hein. Ici, je crois qu'on avait pris. Il y avait un téléphone ici, je crois. Je crois qu'ici, j'avais déjà récupéré ce qu'il fallait. Hein. Je vérifie, mais
Ouais, il n'y a plus rien. Pas que. Il y a un appareil photo là. Le téléphone. Ah, je peux pas prendre le téléphone ici. Le téléphone. Je regarde le temps à droite, hein, il n'y a pas de souci. Clavier. Ah, oh, c'est pas vrai. Pas le temps pour ça. Je pense que j'ai pas le temps. Donc, ça à la limite, on verra plus tard. Oui, c'est ça. Ici, on avait déjà vu. Ça, on avait déjà piqué. Ça, on avait déjà piqué. Plus le temps. J'avais encore 30 secondes, mais ça, hein. J'ai du mal à estimer en fait le 204. Ah purée, j'avais encore 1 minute. Ouais, enfin moins que ça. Ouais, j'avais encore 20 secondes. J'avais encore 20 secondes, ça valait pas la peine. On va aller vendre le clavier. On a 11 000. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin de l'objectif. Hein. On n'est pas loin de l'objectif. Hein. Parce que le PDA de hacker, voilà. Alors, le Black Bay, donc dans électronique. Ok. Je vais voir s'il y a d'autres. Non, il n'y a pas de nouvelles missions disponibles. Alors. Ouais. Je pourrais prendre les emplacements de butin, mais. En soi, je pense qu'on va rincer cette maison. Simplement. On va essayer de rincer. Il y a que les tableaux. Le truc, c'est que si le butin, c'est un tableau, c'est mort. Par contre, il y a le coffre. Il y a le coffre, ça, on le sait. On peut le focus. Parce qu'on l'avait pas fait. Hein. Non, on l'a pas fait, je crois. Donc, on va y retourner. Et on va focus le coffre cette fois-ci.
pour voir un petit peu. Mais en fait, on va grinder cette maison. Je pense que c'est le mieux à faire. J'ai oublié encore le collier. Welcome back. Il y a un téléphone verrouillé. Il y a deux téléphones verrouillés. Donc j'ai 2 fois 1200 plus 900. C'est assez. En vrai, j'ai assez. Je démonte le collier, je déverrouille les deux téléphones, j'ai assez pour m'acheter le PDA de hacker. Alors, on va passer par là. Par là. Relativement simple. C'est pas là que je vais aller. C'est là-bas. OK. Welcome back. Et j'ai même 1000 $ de rab. Excusez-moi un instant. Ah mince, attendez. Et bon. Alors, la question est comment ça marche? Et ça, je pense qu'on va devoir le découvrir sur le terrain. Parce que j'ai rien pour... On la retente. J'avais dit quelle heure? Je sais plus quelle heure j'avais dit pour la 100. Il me semble que c'était 23 h. De mémoire, c'était 23 h. C'est la 206, hein. C'est la 206. C'est ça, c'est 23 h. Et l'autre, il est dans le salon. Et à 2 h du matin. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va attendre juste 3 minutes. À 2 h du matin, il va dans sa chambre. Donc là, faut l'éviter. Et absolument l'éviter. Parce que. Voilà. Parce qu'il est armé, tout simplement. Et il faut la micro-caméra et le casser la licorne. Sachant que la caméra, en fait, faudra aller la récupérer le lendemain, je crois. Enfin, il y aura une autre mission pour aller la récupérer. Voilà, donc...
Donc 23 heures. Je prends quand même la voiture, même si en soi je pourrais la laisser là en fait. Parce que c'est pas grand chose. Mais... Oh non, elle est buggée elle. Madame, madame, madame. Oh, j'y crois pas, il y a un PNJ buggé. Ouais, mais ce résultat, c'est pas dit qu'elle me voit. J'espère qu'elle me voit pas. Non, elle me voit pas. Elle est vraiment buggée. Bouge légèrement en fait. Ok, d'accord, ça marche comme ça. Ah, toc 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 toc. Bien sûr que non. Non plus. Oui. Okay.